D'accord, donc en fait, il n'y a pas besoin par contre d'un gros PC pour héberger le serveur. Combien de cuir, Damien? Ça, c'est intéressant par Bah, contre, j'en ok. ai deux. T'en as plus? J'en ai deux. Hello, le jeu tient toutes ses promesses. Je savais pas que le jeu avait fait les promesses. J'entends pas parce qu'il y a Siri qui parle. J'ai dit que j'en avais deux. Ah, t'en as deux. Mais ça fait 3 heures que je suis parti chasser des merdes là et j'en ai trouvé zéro, donc je suis content. Par contre, si le jeu Et c'est côté tout un connexion, ami, tu peux aller voir on peut. dans le gestionnaire de tâches combien ça te bouffe, s'il te plaît, pour savoir un peu ce que ça bouffe Non, il y a exactement. la journée, Nat, mais la nuit est longue, quoi. Bah ouais, on est dans l'hémisphère de la planète, du La coup. nuit est belle, elle est sauvage. Elle est dangereuse surtout, hein. Très, très sauvage, oui. Et très dangereuse, hein. Jour 5. Ah, j'avais pas vu quel Ah, nombre t'es de bon. jours. Il y a Ah plein ouais, de jours. d'accord. Donc moi j'arrive sur le jour 5 direct, j'ai aucun skill. C'est ça. Bon, après, ça concrètement, ça change pas des masses. Voilà. Ah, je sais, je suis sympa, je suis sympa. Bonjour Z, comment vas-tu? Bon, alors là où je suis, si vous voulez vous fight, donc il y avait 4 créatures qui s'appellent des Grey Dwarfs, des nains gris, qui Attends, m'ont c'est. pété la gueule. C'est Je tous vais les gens fuir, aigris ouais. petits qui m'aiment pas IRL. Il y en a beaucoup. Ils m'ont cassé ma gueule, mais ils sont venus très nombreux. C'est bon, j'ai retrouvé ma pierre tombale. Je pourrais récupérer mon stuff! Ok, je viens de me faire parachuter par une femme corbeau. Ouais, c'est normal, c'est une Valkyrie. Et attends, ok. Bonjour Edoras, 3 MB en envoi, 2 MB en reçu. Oh, ça consomme que dalle, ça va. Là, je pense que la nuit les animaux se cachent. Parce que là, il y a plein plein de bêtes qui viennent de pop. Oh putain. Forêt. Oula, j'ai découvert une nouvelle région qui s'appelle la Forêt Noire. Le pigeon me parle. Demi-tour, cet endroit est dangereux. Vous avez atteint la Forêt Noire. Cet endroit peut être très dangereux pour ceux qui ne sont pas assez préparés. Prouvez votre valeur en éliminant Eik-Tyr. D'accord, donc en fait j'ai trouvé une map HL pour plus tard. Très bien. Comment on fait pour avancer? Je sais même pas comment on fait pour Alors, avancer. très bonne question. Échappe, paramètres, contrôle, et en bas à gauche tu vas avoir de contrôle, tu vas avancer, gauche, enfin avancer, reculer, tout ça. Il faut que tu fasses en ZQSD. Enfin non, toi t'es avec en gauchère, donc avec tes touches Ouais. habituelles quoi. Je crois que c'est OKLM. OKLM. C'est tellement rigolo que ce soit OKLM d'ailleurs, toi ton truc. Ouais. En vrai, ça aurait été cool qu'ils optimisent leur jeu aussi bien que le côté serveur. Bah après l'opti du jeu est pas. Alors, Perso ça tourne bien tu contrôle. vois comme c'est en 60 FPS ça va. La CG fait, il est gourmand le jeu évidemment. Il est pas très bien opti mais c'est pas non plus ça tourne quoi. Ah oui la marche automatique effectivement aussi a changé. Hein. Tout à fait bien vu bien vu cher Acrobat. Tout à fait. Donc, dans On est paramètres d'accord aussi que tu. le jeu il est que en anglais. Non non il est en Non, français non, tu aussi. peux l'avoir en français. Je suis plus. Dans Dimer tu vas Nat. Dans divers. Pour l'instant, j'ai que contrôle audio graphique Et divers. Ah oui. Ça, c'est divers, ok. Miscellaneous, c'était écrit? Misc, c'est marqué C'est misc. Miscellaneous, Ouais, c'est un mot anglais, c'est divers. Alors ça, je ne saurais pas dire comme ça. Ok, j'ai littéralement 1, 2, 3 sangliers et un cerf là où je suis. 400. Oula, oh c'est la folie des bestioles. Et je suis en furtif, il ne me voit pas. S'il me voit, il m'attaque. Ok. Premier On va encore tombe. faire piquer. Non, non, c'est bon, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. On va bouffer les framboises. Comment je les mange déjà? Ok. Enfin, ça prend pas. Il faut faire comment pour que ça prenne en compte tes changements? T'as pas un appli. Ok. Bah, la langue, il faut que tu Non, non, relances. non, merde, merde, merde. Putain. Ah, d'accord. Ils me Compétence repèrent améliorée, à discrétion. 3 km les bestioles, hein. J'arrive jamais à Ouais, les mais repérer. ça, là, ça monte, moi, ça va bien pour le coup. Hein. Je suis à 4 en discrétion. 3 ou 4 en discrétion et ça aide déjà pas mal. Hein. Ouais, je suis à 3. Et puis le truc me voit, il s'enfuit à perpète. Hein. Bah, si tu veux venir là où je suis, parce qu'il y a quelqu'un qui était pas très loin de moi qui est parti là, c'était qui? Trail, viens vers Ouais, moi. c'était moi, ouais. Il y a full bestioles Attends. là. C'est un zoo le Je vais aller bordel. voir. Voilà, non, j'ai du neck, j'ai du sanglier, j'ai encore une. Oh, y a la J'arrive, bestiole. j'arrive. Après, La le musique est très fufu, très cool, ouais. faut quand même les prendre par derrière, hein. S'ils t'entendent pas, mais ils peuvent quand même te voir. C'est ça. Ouais. Au cas où. Oui, bah oui, mais. Je suis mauvais. Tiens. Complètement, Yasaki. Normalement, ils s'enfuient pas les sangliers. Non, ils sont Complètement, bien, non. Yasaki. Hein. Faut bien avoir conscience que ce jeu a été créé par une personne. Hein. Il avait aucune chance d'imaginer que le jeu allait le rendre multimillionnaire, le mec. Hein.
Vraiment, il s'en est vendu maintenant plus d'1 million, il a sûrement bientôt 2 millions. C'est une folie ce qui se passe. Un peu comme Among Us, non? Un peu comme Among Us. Alors, oui et non. Among Us, en fait, par contre, tu vois, lui a mis 2 ans à être découvert. Mais c'est dans la même idée, par contre. Bon, Among Us, c'est encore une échelle au-dessus. Hein. Au sens où on parle de centaines et centaines de millions de jeux, hein, c'est une dinguerie. En novembre, ça a d'ailleurs été c'était le jeu le plus joué de tous les temps. Among Us, toi, par exemple, c'est découvert 100% grâce à Twitch. Valheim, Twitch a aidé, mais le jeu a explosé quand même très rapidement, quoi qu'il arrive. Mais Twitch a dû avoir un impact. Among Us, tu vois, il a été vraiment découvert 2 ans après sa sortie. Pendant 2 ans, les mecs se sont acharnés sur leur jeu, alors qu'il y avait environ une cinquantaine de joueurs de moyenne dessus, quoi. Ils ont vraiment été dédiés, tu vois, à leur bordel. Et ça a payé. Et il y a encore du monde, hein, parce que ceux qui disent ouais, Among Us, ça a tombé la hype. Je regardais encore avant-hier, il y avait 12 000 joueurs en simultané. Hein, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 100 000 joueurs par jour dessus, juste sur Steam. On parle toujours pas hein, de toutes les nombreuses personnes quoi, sur téléphone. Le bouton souris 3. C'est la molette. La molette. Logiquement. Du coup, pour l'auto truc, je mets quoi? Ah, marche auto, moi je mets la petite touche 2 en marche. C'est vrai que toi t'es gauchère. Je sais pas, mais une des touches que tu utilises pas près d'OKLM. Tu vois, moi j'utilise, comme je suis sur ZQSD, j'utilise la petite touche 2 à gauche du 1. Pas à droite, hein, pas le 2, hein, c'est le 2 au carré. Donc je te confirme, Damien, le cerf, je l'ai chopé par derrière, je l'ai one shot. Ah ouais? One shot avec le coup de hache Silex. Hein. Ah oui, mais moi c'est pareil pour courir, genre Shift G, non? C'est possible. Bon, ça prend ton temps sur les touches, Nat, hein, comme c'est particulier pour toi. Prends bien ton temps. Soto, c'est pas nécessaire non plus, hein. Tu peux rester appuyé sur. C'est juste un truc de fainéant, quoi. C'est pratique. Enfin, t'es pas obligé de te prendre la tête pour ça. Ok, devant moi, Damien, il y a 3 cerfs. On les approche discrètement. C'est quoi placement alternatif? Je ne sais pas. Je sais pas. Damien, viens sur moi. Viens sur ma position. Ouais, j'arrive. Il y a 3 cerfs devant. Là, on peut avoir de la barbaque et du cuir et tout, là. J'ai 4 cuirs après, Damien, si tu veux, dès qu'on se retrouve. Ouais, ça va, là, j'en ai 8. Ah bah, c'est bon. Ça grimpe un petit bientôt peu. Pour faire ah oui, il y a 3 cerfs, effectivement. C'est 8 hein, pour l'arc, tu peux aller le crafter là si tu veux. Ouais, bah attends, là je vais. On va les choper. En plus, il est gros là le dire. Il a une étoile. Oh, ah. Il est peut-être un peu plus. Il va peut-être nous. Ah, ils nous ont déjà repéré. Non, c'est. Et ok, il y en a un qui nous a repéré, mais pas les autres. Merci beaucoup pour le follow. Aura, Senoku, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et je suis désolé du full only, hein, je l'ai activé à cause du backseat. Ah putain, mais il s'est retourné, il m'a vu, il se casse, ouais. Je bougeais pas quoi. J'aime pas du tout jouer au clavier. T'es plus habitué en même temps à force de jouer à la manette. Ah ouais. Ah, lui vient vers nous. Ah putain, non. Attends, j'attaque. Ah putain. Un coup. Ah, allez. C'est bon, on l'a eu, ok. Il est mort. Next. Ah merde, mais oui. Oula, y'a un truc qui m'attaque dans l'eau. Mais non, c'est le. Mais. C'est le cerf qui a explosé précédemment. Ah putain! J'ai eu peur. Le mec, il sait pas que les cerfs ça explose quand ça meurt, quoi. Mais oui! Ah, j'avoue, hein. Shame on me, hein. Genre. Shame on me. Ok. Bon, je vais par contre, je vais me crafter cet arc de merde. Vas-y. Moi, j'aime bien la hache. Alors. Ils pourront plus fuir ces salopards. Tu reviens à la base? Ouais, elle est où déjà? Bah on a mis... T'as pas mis un marqueur? Il a pas mis. Non, et est-ce que tu vois sur ma map le marqueur? Non mais c'est bon, je vois aussi. Attends, okay, j'y vais. Parce que là, tu double-cliques et tu peux écrire bonjour Quartz. Tu double-cliques... Double-clique sur la map, tiens. C'est ça, double-clique sur la map, clic gauche, et tu peux ensuite... Tu peux ensuite en sortir. Maison. Nat, tu t'en sors ou pas? Je parle avec le corbeau. Vas-y, c'est tuto et tout, tranquille. Je parle à un corbeau, quoi. Là. Fais donc, Nat. En plus, non, tu préfères les chouettes, toi. Bon. Oui. On peut pas tout avoir. Bon, côté bouffe, on est pas mal. Les framboises, ça nourrit quand même bien. Ah, pierre à ramasser. Je m'en suis où, là, côté poids. J'ai que 3 cuirs. Putain, c'est la misère. Ah, tunique en haillon. Pourquoi j'ai une tunique? Bon. Mais en fait, ouais, moi, j'en ai crafté une et j'ai vu que j'en avais déjà une dans l'inventaire pour l'avoir crafté. On l'avait eu dès le début, hein, depuis. Ouais. Ah. Je commence avec. Ça doit jouer, ok. Bonjour, Batosai.
Ok, full pierre, ça c'est bien ça. N'hésite pas si il y a des questions Nat, hein, sur le jeu. Normalement je suis visible maintenant sur la map. Ah t'as vu aussi, t'étais là quand on a vu, ok, nickel. Fais voir par Natamaniac. Ouais, je te vois. Oh merde. Merci beaucoup pour le follow également, Marzoshi, bienvenue à toi. Alors, je suis gaucher. Ah bah tiens, on a un gaucher dans le... comme toi Nat. Je suis gaucher, je joue avec les flèches, comme ça tu peux jouer avec les chiffres à droite, page précédente pour courir, super. Je passe dans les flèches et les autres touches avec le clavier. Ça marche. Ouais, lui il joue avec les flèches directionnelles en bas à droite. Arc. C'est pas con. J'ai pas... Ouais, bah écoute, si t'as des conseils à donner pour optimiser les touches pour un gaucher, c'est un enfer pour moi. C'est pour ça que je ne joue jamais au clavier souris, parce que ça me fait tilter, et personne ne peut jamais m'aider, parce que personne a les réflexes des raccourcis, vu qu'en fait, quand t'es gaucher, au final, tout est inversé, en fait, dans les touches, quoi. Et j'arrive pas à optimiser, en fait, mon clavier pour que ça soit... Pour que ça soit optimisé, hein, tout simplement. Ok. Putain, je les one-shot le bordel. Bon, donc, Barzoshi, hein, si tu peux aider, ce sera avec grand plaisir. Et merci à toi, en tout cas, pour le follow, et bienvenue à toi. Il me semble qu'il est possible de jouer à la manette. Alors, info de chat ou pas? Alors là, tu rendrais une Natamania qui est heureuse. Hein. Est-ce que tu as essayé, d'ailleurs, ouais, pour la blague? J'ai pas du tout essayé. Bah, essaye. Ah, ça marche à la manette, j'ai l'impression. Bah, le curseur bouge. Dans les options, paramètres... Attends, ça peut être dans quoi? Alors, attends, paramètres... Ah oui, manette activée, effectivement. Tout à fait. Bon bah voilà, Nat. Manette activée, oh super. Ta vie va être plus simple. La vie est belle. Merci. Merci non, le chat. Avant. Ok, moi je reviens à le camp. Je pense qu'il n'y a pas tant à faire de nuit. Non, quoi qu'il faut encore... Eh, c'est vraiment beau en journée, le jeu, bordel. Le ciel est absolument magnifique. Hein. Faut juste... C'est ça, c'est vraiment... Popinou, je te reprends ton mot, c'est dégueu beau. Dès que tu regardes ton personnage, t'as l'impression de jouer à un jeu des années 2000, et dès que tu regardes autour de toi, t'as l'impression d'être... Pour le coup, c'est un vrai jeu de 2020, quoi. C'est très spécial comme truc. Après, c'est... Ouais. Oh, je suis trop lourd, putain, fais chier. Ok, donc, ça, c'est pour avancer. Ça... La gestion de lumière est très, très bien réalisée, tout à fait. Alors, la gestion de la lumière est super bien réalisée. Pardon, Nat ? Non, rien. C'est qu'un viewer qui me dit il faut à vérifier si tu peux ou non crafter à la manette. Parce que tu pourras peut-être te déplacer, taper et tout. Après avoir comment tu navigues. Après, je pense qu'il faut juste que je choisisse les boutons, quoi, par exemple. Donc ça va être sauté. Ah, si tu peux en plus mapper complètement tes touches, alors là, c'est le jackpot à la manette. File une manette à une Nat-Nat et elle est inarrêtable. Ajouter bout de tuyau. Très bien. Je sais pas si je vais jouer avec vous aujourd'hui, hein, vu le temps que ça me met. Bon. C'est pas, il est que midi, y'a le temps. Ouais, mais il faut que je finisse. Je peux jouer jusqu'à 17h. Après, je suis puni. Et donc, tu bosses aujourd'hui et demain au final? Je sais pas pour demain, mais aujourd'hui, ouais. 18h, 1h du mat. Courage. Ces horaires, what the fuck. Moi, j'ai full bestiole qui m'arrive sur la gueule là. Allez, crevez là. Qu'est-ce qu'il y a là? Bim! Et non, le feedback est pas si mal, hein, en vrai, du jeu, effectivement. Hein. Mais... Alors... Ok, donc quand je pars, je ne perds absolument aucun point de vie, juste un peu d'endu. Compétence améliorée, blocage. C'est trop bien le blocage. Ok, je peux tanker, c'est bon. Je suis un tank, ça y est. Point d'exclamation, tank lever. On est bon. Les roulades, C'est relou, ça. Je sais pas s'il y a des frames d'endu sur la roulade. That's the question. En vrai, je m'en fous du bois, j'en ai déjà tellement. Cassos. La maison, elle est là, c'est ça. Je suis revenu. Le brave aventurier que je suis est revenu. I am back. T'as ton arc, Trail? Ouais, ouais. Alors, tu t'es levé. Par contre, je tire vraiment pas loin. Hein. Bah, c'est corps de lâche, hein. Ça, c'est ouais, terrible, ça. Faut que je m'entraîne, je pense. Alors, il y a moyen, ouais. Des flèches, il faut juste du bois ou faut du bois et de la pierre? Salut Titi! Ah oui, ouais, mais j'ai bien conscience hein, que c'est le
C'est le cas pour beaucoup d'entre vous, hein, donc je voulais découvrir aussi par moi-même, quoi. Et sans pas mourir, quoi. Pas mourir idiot, tu vois. Pantalon en haillon à crafter, pas mal. Est-ce que je vais me faire le pantalon aussi, tiens. Bim. Voilà. C'est quoi ça, tunique, pantalon. Ok, en train d'équiper. Boum. Attends, est-ce que je peux voir ce que j'ai d'équipe? Ah oui, ok. Tunique et pantalon. D'accord, et là maintenant j'ai trop la classe ou pas? Oh là là, ce héros. Pour l'instant oui, c'est sympathique. Après, ce qui m'intéressera, là ce qui va nous intéresser, je pense qu'on est tous là, ça va être ça va vraiment nous aider, c'est le combat de boss. OK. Franchement, c'est carrément mieux avec la manette hein. Bon bah écoute, c'était à l'aise. Est-ce que si vous avez besoin de viande, moi je mets des petites côtelettes à cuire là. Ah oui, des petites côtelettes. Je vous ai mis j'ai 4 côtelettes. J'en mets 2. Je sais pas combien de temps faut attendre pour cuire d'ailleurs. 30 secondes, un truc comme ça. Alors, je regarde le visuel, voir, je regarde s'il y a une évolution visuelle. Salut Anonymous. Mais les côtelettes, c'est quand même plus savoureux. C'est Kaamelott encore, c'est ça? Ok, je vais essayer de vous rejoindre. Vas-y, Nat-Nat. Je me suis fait il 3 amis. Il n'a pas la place. Ajouter viande cuite. Ok. Bon, pour ma part, j'en mets une de viande cuite. Attends, non, tac. Alors, attends, elle est où, votre maison? Ok. Si quelqu'un a besoin d'une... alors la maison, attends, t'es où, Nat-Nat? Là où il y a Aske et Azedo, sur le même endroit. À ta position, tu regardes au nord-ouest, Nat. Si tu veux, tu peux mettre un marqueur de maison. Tu cliques sur la maison dans sur ta map et tu fais double clic sur l'endroit où on est. Ça va mettre un marqueur. Je clique. Ah oui, après, avec la manette, je sais pas. Mais en gros, c'est au nord-ouest, là où il y a Lucas et moi, Nat. Ok, là je vois un peu, ouais. Je vois vos noms, je vois pas la maison, mais bon, je vais aller vers vous. Ouais, c'est ça, et après, là, tu pourras ensuite mettre un marqueur pour te rappeler qu'il est toujours là, quoi. Je peux le mettre maintenant, mais je sais pas comment ça marche à la main. Ah, on peut ping pour tous avec souris 3. Est-ce que t'as vu, tu vois le ping sur la... Ah, y'a un méchant. Bon, il n'y a que sa gueule, mais est-ce que tu vois le ping bleu? Oui, je vois, je vois. Ok, bah c'est là. Compétence améliorée, courir. Ouais, ça c'est vite, pour le coup, je trouve ça rigolo, mais c'est bien, c'est ce que j'aime bien dans les survies, ça me fait penser, pour le coup, c'est un truc que j'adorais dans Skyrim. Même si j'ai pas aimé Skyrim, ça j'aime bien le principe. Ce qui est en fait juste en faisant des trucs, tu progresses. Je trouve ça toujours très grisant. Pardon, Nat. Pour l'instant, c'est normal, j'ai pas d'armes, j'ai rien du tout. Oui, c'est tout à fait normal. Après, nous on pourra te filer un gourdin pour t'aider un peu au début, si tu veux, mais bon, c'est comme tu voulais t'occuper surtout de la maison. Enfin, découvre Ah, bestiole. De toute façon, le pigeon t'aide bien en termes de tuto, quoi. Quel échec, Skyring, il est mythique. Salut. Rien compris. Oh, une nat-nat. Oh, bah si, c'est une femme quand même, ça se voit. Vous êtes dur avec les persos féminins. Elles sont costaudes, quoi. Bon, bah... Alors... C'est autant féminin que masculin. Il y a tout à faire ici, hein. Tout est à faire et à refaire. Oh putain, ça y est, c'est plein direct. Voilà. C'est quoi cette petite maison ici? C'est les chiottes. Ah non, à gauche c'est Damien. Ah non, à droite c'est le truc pour crafter. C'est Azedos qui nous a construit ça, c'est pour crafter. Tu vois, si tu vas à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle une table de fabrication. Ok, et on vous a jamais dit que quand on construit une maison, on commence par le sol? Bon, bah écoute, hein, la polonaise là, fais ta baraque. Moi je. Nous on a l'esprit druidique. On va être en accord avec la nature. En communion avec la nature. La terre sous nos pieds. Ok, ok. So far, so good, Anonymous. Mais ce qui m'intéresse, encore une fois, voilà, le principe du survie, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Ce qui m'a toujours manqué, moi, dans les survies, c'est un but. Là, on a un but, déjà. On a une petite histoire, vite fait. Je crois que c'est des chiottes en plein milieu, quoi. Juste à côté de la... En fait, vous êtes pire que des hamsters. C'est-à-dire que vous chiez et vous mangez au même endroit, quoi. Même les hamsters, ils font pas ça. JPP. Le but, là, tu vois, c'est d'affronter un boss. Et ça, pour le coup, je sais pas, pour Azelos, me connaissant Azelos et Trail, il doit être comme moi, ça nous intrigue, tu vois, c'est-à-dire que si on doit effectivement farmer, s'améliorer, crafter des trucs et tout, pour qu'on réussisse un combat de boss, là, c'est cool. Surtout si le combat est scié. Donc, après, c'est ça le premier boss, donc ça, j'attends pas non plus un truc de fou, quoi, mais c'est... Tu vois, c'est dans cette idée-là, quoi. Je vais explorer le sud, parce qu'au nord, il y a les pins, c'est la forêt noire. Ouais, j'ai essayé des trucs, Nat, mais c'est pas ultra concluant. Alors après c'est un peu plus logique que, tu vois, au moins t'as fait un truc, un sol propre. Et
comment je fais pour sauter? Alors sur clavier c'est espace. Mais... Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Bah vous êtes les... De toute façon, vous êtes, bah en gros, ça va être actuellement un honeymoon hein, pour les motiver. Donc en gros, je sais pas, après voilà, Cam 7, vous 3, nous 4, ça fait 7, on verra pour la troisième place. Hein. Alors Malopti, pour le coup, oui, il est Malopti, mais ça tombe bien, tu vois. Tu vois mon framerate, je suis tranquille. Hein. Et sachant que j'ai pas la V-Sync, hein, je relance le jeu, mais j'ai la flemme. Je vais faire des trucs aussi. Non, mais je vais mettre un deuxième feu de camp et un deuxième truc pour. Mets-le en dessous du deuxième truc, déjà. T'as quoi en CG déjà? Mais t'es en train de crever, Azedos. T'as mis 60? Tu veux que je le mette où le feu, Azedos? Y'a déjà un truc de cuisson qui est prêt, mets-le en dessous. Ah, il est où? Il est là. Je vois rien. King Station. Tiens, Nat, si jamais t'as faim, t'as un coffre miam miam ici. Ok. Coffre miam. Pas tout ce qu'il y a dedans, mais voilà, tu peux prendre des trucs dedans. Alors, je le vois pas, ton machin de cuisson. C'est buggy, alors. Tu vois pas un deuxième juste à côté, là? Ah, non, non. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est buggy. Mais y'a que toi qui a les bugs, Lucas. C'est un délire. Bah, la question, c'est est-ce que c'est Lucas qui a un bug avec son truc qu'il voit, ou est-ce que c'est moi qui ai un bug avec le truc que je vois pas? Comme tu le sens, Cam7. Avec plaisir, c'est comme ça. J'avais essayé de le détruire, ça a pas marché, donc il a dû être détruit, et moi, je vois. Si ça te coûte rien, j'accepte avec plaisir. Attends, La question c'est, est-ce que je peux couper? Ah, ça serait stylé. Et je veux pas non plus, tu vois, que ça te pénalise ou autre, quoi. Voilà. Faut que j'arrête de taper du bois, en fait, j'ai envie de taper du bois, mais... on est d'accord que l'exploration, elle est personnelle sur la map, vous voyez pas mon exploration? Ou si ou ça vous découvre aussi la map, ou non? Exploration. Ok, ok. C'est perso, ouais. Ok, ok, okay. Du coup, faudrait que peut-être que je me crafte une arme ou un truc comme ça, non? Yes. En gros, donc, il faut que tu fasses un marteau et ensuite... Après... On peut te dire les choses, Nat, hein, et ça ne dérange pas de te les dire, hein, pour le coup. Mais il y a pas mal de choses qu'en fait que tu pourras découvrir par toi-même très rapidement. Donc je t'encourage à... Moi déjà, rentrer dans le menu, j'ai du mal. Bah je sais bien, c'est ton côté boumeuse. Je sais bien. En plus... Mais le jeu, justement, t'indique tout, hein. T'as le pigeon qui te raconte des trucs, qui te dira un peu ce que tu vas crafter, etc. quoi. Bah le pigeon, il m'a juste... Il fait froid, d'accord. Ah bah oui, ça, c'est la nuit, il fait froid. Il m'a juste dit c'est un établi et puis voilà. Okay. C'est déjà pas mal. Au moins tu sais ce que c'est. Franchement, elle fout le seum votre maison. Ça râle beaucoup, mais on ne voit pas l'améliorer la maison. T'as fou le bois. Hein. Mais je sais pas comment on fait, j'ai rien, j'ai que mes bras. Bah c'est déjà pas mal. Bah toi aussi on a fait ça avec nos bras. Hein. C'est ça. Oh. Non mais il te faut un marteau par contre. Craft un marteau. En gros, le marteau, c'est la base de la fabrication. C'est avec le marteau que tu peux tout faire, quoi. Quand tu fais tab, à droite, t'as un menu de fabrication. Bah pour l'instant, on est 4 et c'est parfaitement fluide, hein, pour le coup, anonyme. À la souris, je sais pas. Enfin, à la manette, je sais pas. Alors, quand tu vas dans ton inventaire... Ah, attends, mon inventaire, comment je fais pour aller dans mon inventaire? Ça, c'est une bonne question. Le stream des boomers. Ah bah là, la moyenne d'âge du stream, oui, elle est de 30... de base, on se re-entend le 30, puis comme il y en a, on se re-entend les 40, quoi, pour la moyenne d'âge. Oh, tu m'agaces, putain! Oh là 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 là! Il a tellement subi cette vanne que maintenant non, il est obligé de la faire. En fait, c'est lui qui est le plus vieux dans sa tête ici, quoi. Ah bon? Oh non, ça c'est Pookie par contre. Non, ça c'est faux, ça. Non, mais il est pas là, Pookie, alors ferme ta gueule! Ah putain, c'est classe. Tellement de rage. Vas-y, Anonyme, je t'en prie. Hein. Une torche, ok. Je suis avec Chimie Soleil, hein. Mort de la Cam 7. Bien joué le Michel Lep, par contre, bien joué. Je valide. Alors attends, journal de mes... C'est quoi ça? Bienvenue. Clairement, par contre, je sais pas comment, par exemple, un streamer comme Coquernage font pour en solo. Moi, je pense qu'en solo, je me ferais vite chier. Hein. Ah, mais il est en solo? Ouais, écoute, il est en constant solo. Le temps vous permet de fabriquer des objets. C'est vrai qu'en solo, je sais pas. Moi, après, comme j'aime pas les services en box, c'est subjectif, vous voyez. Mais c'est vrai qu'en solo, je pense que je me ferais chier. Enfin, il y a des gens qui kiffent, il y a ça qui... Bah tiens, est-ce que tu joues en solo? Mais est-ce que tu joues en solo par défaut? Ou est-ce que tu joues en solo? Tu vois, dans le cas de Coquernage, je pense qu'il joue en solo pas par défaut, mais parce que c'est peut-être trop chiant de jouer avec d'autres gens, comme ça, un énorme streamer, tu vois. Est-ce que ouais, c'est par défaut, dans le sens que tes potes jouent peut-être pas forcément à ça? Ou parce que c'est vraiment une volonté, hein. Après, c'est très subjectif, hein, soyons clairs, hein, c'est... Tu vois, moi, un jeu de survie comme ça... Enfin, ce qui est intéressant, justement, c'est le côté village, on a tous un rôle... On essaye un peu de... On lutte un peu contre l'adversité, tu vois. Enfin, on essaie de faire des trucs. Et du coup, attendez. Je suis dans le tableau de fabrication. Ouais. Là, tu fais un marteau. En fait.
Et effectivement, il y a marqué, il y a un petit onglet marteau. Ouais. Mais ouais. Tout est vide. Donc en fait, il faut que j'aille prendre des objets, c'est ça? Ouais, t'en as dans le coffre, on t'en a. Et des pierres. Attends, je vais te mettre des pierres dans le coffre aussi. Attends, j'ai un bout de bois. Et pourquoi tu pourrais pas apprendre directement avec tes potes, Yasaki? Ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il t'en. Tu vois, nous on découvre tous par exemple. Là. Oh putain. Bestiole. Okay. Allez, venez là, vous. Venez là, les connards. Oh, j'ai. Oh mon dieu, j'ai un élite devant. J'ai trouvé un élite. T'es où? Ah, mais t'es encore parti à Perpète. Ah, bah j'explore. J'ai trouvé un chaman. Ok, j'ai buté un premier mob. Le chaman, il fait les attaques. Oh! Il fait mal. Hein. Ah, mais il se heal! Ah, le bâtard! Putain, je le stagger pas! Merde. Si vous voulez venir, il y a un élite sur moi. Je descends un peu. T'es mort, Cyril. Pardon? Non, mais regarde où on est. Non, je le kite, hein. Je le kite en me bloquant depuis tout à l'heure. Il n'y a aucune chance qu'il me tue hein, si je veux pas mourir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est pas très loin, mais je sais pas qui c'est. C'est Adar. Ah, merde. Bad. Ah, c'est... Ok, c'est un me full life le bordel. Par contre, ouais, on stagger pas quand on tape. Donc, effectivement, on doit y avoir une manière de tanker. C'est-à-dire qu'on peut pas genre soloter facile en mode stagger, quoi. Je sais pas où vous êtes les autres, effectivement. Donc c'est effectivement à défaut. Il y a pas de problème, hein, toi, Yasaki, mais je comprends. Oui, mais c'est pas la même chose. Je comprends parfaitement, toi, Yasaki, dans ce cas-là. Donc tu vois, c'est bel et bien solo par défaut parce que les autres gens sont plus avancés. Et je comprends dans ce cas-là ta volonté de jouer solo pour ensuite effectivement rejoindre des trucs plus avancés. Ça, tout de suite, tu vois, ça a du sens. Comment on améliore la table de fabrication? Je vais essayer. Ah, j'ai toujours pas compris comment je faisais pour crafter. Hein. Putain, mais ce heal direct, quoi. J'ai rien dans mon truc de table de fabrication. Je sais pas comment on met des choses. Comment ça, t'as rien? Pourquoi je meurs, là? Oh non, non, non. Non, mais attends. Tu en fait, tu veux craft une arme? Bah, oh, putain, il m'a tué. Là, je peux rien faire, mais d'accord. Je peux rien construire. En plus, ah, apparemment... Ah, j'allais le voir en haut à droite, le debuff. Ok, je l'ai mais vu. Normalement, dans la table de fabrication, t'as des trucs. Alors, c'est peut-être moi aussi qui sais pas comment mettre les trucs. Tu vois pas dans l'onglet craft, tunique en rayon, pantalon en rayon, flèche en bois. Bon. C'est peut-être grisé, hein, je sais pas, mais... Alors, attends, je reviens. Moi, j'ai un truc avec... Ah, Ada, il est arrivé. Je viens d'arriver sur ton cadavre, ouais. J'arrive, Ada, attends, on va essayer de le retuer, le truc. Je reviens. T'as quoi? T'as une torche? T'as quoi d'autre? Un bout de bois, tunique en haillon, c'est ça? Non, mais ça, c'est ton inventaire. Ouais. Ça, c'est à gauche, à droite. Ouais, ouais, c'est ça. À droite, t'as quoi? Putain, la map, elle a... À droite, j'ai un truc, y a marqué mon nom, avec un corbeau, un espèce de signe de triangle. Ouais, et coupe, en dessous? Et des épées. Et en dessous, j'ai table de fabrication. Ouais. Et là, j'ai rien dedans. Au pire, fais un screen, hein, tout simplement. T'as rien dedans? Fais Alt, imprime écran, Nat, et Ctrl V sur Discord. Comment ça se fait que t'as rien dedans? C'est pas un mais ça, qu'elle fasse un screen, communiquer avec des screens. Plus simple. Alt imprime écran et Ctrl V sur Discord. Vous êtes exposé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Effectivement, elle a que dalle. Ouais. Donc il y a là peut-être des étapes à passer, je sais pas. Bah ouais, je sais pas. Parce que nous, les premiers trucs, on l'a fait avec la table, j'en avais plus. Non, non. Quitte la table de fabrication, Nat. Reviens, écarte-toi et va dans ton inventaire. C'est normal si elle a rien, on me dit. Voilà. Salut Toshiro. Attends, je ne vois rien du tout. J'arrive, Ada. Alors, go défoncer. Ah putain, j'ai un sanglier devant. Alors, comment je vais dans mon truc quand je suis... Parce que là, en fait, quand j'appuyais sur l'établi, ça me mettait mon inventaire, mais je sais pas comment aller dans mon inventaire. Ah oui, ok. Non, merci Atrix. Faut qu'en fait, c'est parce qu'elle a jamais récupéré de ressources. Et donc, elle peut pas encore utiliser le craft parce qu'elle sait même pas encore les ressources. C'est dans l'ordre. Mais c'est pour ça que je dis, il faut qu'elle découvre toute seule, la Nat. Enfin, elle peut découvrir avec nous, mais je vais te dire un truc. Il faut que tu découvres, il faut que tu arrives à découvrir un peu toute seule parce que un jeu de survie, en gros, les capacités vont se. Pas découvrir, se démontrer, se. Découvrir à toi, ça veut rien dire. Bon, tu comprends l'idée. C'est un mal, on appelle ça la nuit, Toshiro.
et se révéler à toi, se révéler à toi au fur et à mesure. Et là-dessus, c'est que si on t'aide et si on te backseat, tu vas peut-être faire les choses dans le bon ordre comme le jeu l'a pensé. Et tu vas rien biter.